Éric Castonguay, une défaite 4-0 ce soir dans le derby contre Viège. On a l'impression que pendant deux tiers, dans le deuxième et le troisième, Viège, ils vous ont vraiment gêné défensivement. Ils n'ont donné aucune occasion. Oui, exact. Surtout quand tu pars 2-0 contre eux. C'est la troisième fois, je crois, qu'on fait ça contre eux. Ils ferment bien le jeu. C'est une équipe qui ont bien joué défensivement. Ils nous ont pas donné grand-chose. Ils nous gardaient à l'extérieur. Puis c'est toujours difficile quand tu tires de l'arrière de revenir. Comme souvent cette saison, le power play, ça a été compliqué. Il y a eu quelques actions, mais toujours pas de but. Comment faire pour améliorer ça? Garder les choses simples, continuer à travailler. Comme tu as dit, on a eu des chances, mais ça n'a pas rentré. C'est sûr que c'est quelque chose à pratiquer. Puis, comme j'ai dit, je pensais garder ça simple et essayer de mettre les pucks au filet. Mardi soir, c'est un déplacement à Turgovie, une autre équipe qui est très bonne défensivement. Quels enseignements vous pouvez tirer de ce soir pour appliquer mardi à contre Turgovie? Tout d'abord, un bon début de match, qu'est-ce qui va être très important. C'est jamais facile d'aller jouer à Turgovie. Comme tu as dit, ils jouent très bien défensivement, ils ferment le jeu. Ça va être de garder les choses très simples, encore plus simples que ce soir, d'essayer de marquer des pas beaux buts, comme on dit, des petits buts alentour de la cage, puis de continuer à travailler. Il ne faut pas abandonner, c'est une défaite, mais il y a beaucoup de points encore sur le tableau à aller chercher, puis le classement est serré, alors c'est un gros match mardi. Merci beaucoup, Eric, et bonne chance mardi soir à Turgovie. Merci.